Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Chédé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se maxer la championne royale. Mais avant de commencer cette vidéo, on va se lancer bien évidemment. Du coup, regardez, là j'ai ma petite championne, vous pouvez voir également qu'on est en live, voilà, vous pouvez voir les petits gens du chat qui vous font des petits coucou YouTube, voilà, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires en faisant des petits coucou de live, n'hésitez pas, ça ferait plaisir. Du coup, regardez ici, vous pouvez voir ma petite championne, elle passe niveau 24, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se la gemmer, du coup, il me manque 8 mines, donc on va d'abord farmer les 8 mines, on va se gemmer la championne, on va s'améliorer au niveau 25, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer avec le petit livre des héros qu'on a ici. Comme ça, on aura la championne qui sera au niveau 25, ça va faire plaisir. Elle sera maxée pour la GL13. Bref, en attendant, nos troupes sont prêtes. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une attaque pour commencer. Et du coup, on va essayer de se trouver 8000. Il me manque 8000, donc on va essayer de se trouver ça en une attaque. Je pense que c'est faisable, clairement. Le chat pourra témoigner. Tout à l'heure, j'ai trouvé plein de 10000, 12000... Enfin, plein de trucs intéressants pour le coup. Et c'était vraiment sympathique. C'était vraiment sympathique. Donc là, on va voir si on peut, si on a la même chance. Il nous manque précisément 7400. Donc on va voir si on peut se trouver ça assez rapidement. Je pense que oui, en vrai. Je pense que oui. Ou alors sinon, on le fera en deux attaques. Enfin, quoique, en soi, je pourrais déjà le faire. J'ai déjà ma trésorerie de château de clan. Mais je la garde tout simplement pour pouvoir... farmer pour pouvoir améliorer mon roi derrière au niveau 71, voilà, parce que du coup je compte continuer le live derrière pour pouvoir améliorer mon roi au niveau 71. Bref, du coup, ici on trouve pas grand chose pour le coup, la chance est moins là quand je suis avec vous les amis en vidéo. Et au moment où je dis ça, on trouve une bonne base qui fait plaisir. Du coup, hop, on va l'attaquer directement. Du coup, il nous faut 282 000 d'élixir noir pour pouvoir maxer notre championne. Donc là, on est à 281 300. Donc il nous faut aller chercher la petite réserve qui est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va foudrer tout ce qu'il y a ici. On va foudrer ça. Et on va foudrer l'aigle également. Voilà, directement. Hop, on va envoyer la capa du grand gardien. Comme ça, ma reine va pouvoir sûrement aller chercher la réserve d'élixir noir directement. Donc hop, voilà, parfait. La reine qui va chercher la réserve d'élixir noir. Comme ça... on est à 282 000, ça fait plaisir. Et donc du coup, on va s'arrêter ici directement. Et maintenant, on va passer au moment le plus intéressant, bien évidemment. Hop, en attendant, on va remettre à former. Donc j'ai plus besoin de remettre à former des sorciers directement. Voilà, ça va être ma dernière attaque aux sorciers pour pouvoir faire l'événement. Pour pouvoir avoir la petite potion d'ouvrier ici. Donc ça va être cool. Mais bref, vous n'êtes pas là pour ça, vous. Vous êtes là pour voir ma championne. Du coup, ce qu'on va faire pour commencer, on va se la gemmer. Du coup, 3, 2, 1, boum! La championne qui passe directement au niveau 24. Donc je ne vais pas utiliser le marteau de héros, je vais économiser mes petits marteaux pour le passage HD14 bien évidemment. Juste avant, on va se retirer le petit coffret de gemmes ici directement. On va gagner 25 gemmes, écoutez, ça va nous rembourser notre championne, ça va nous rembourser notre gemming. Donc ça fait super plaisir. Nous, quand c'est remboursé, on aime bien. On aime bien quand c'est remboursé. Du coup, hop, il nous reste 15 petites secondes du coup. Et on va gagner les petits 25 gemmes qui vont faire super plaisir. Ça va être vachement cool. Ça va être vachement cool. Hop, directement. Du coup, 4, 3, 2, 1. Boom, let's go. Les 25 gemmes du coup. Et maintenant, on a la championne. Hop, la championne niveau 25 directement. On va prendre un petit screen bien évidemment pour la miniature YouTube. Du coup, directement la championne. 3, 2, 1. Boom, elle est lancée. Et on va cela terminer avec le livre des héros. Voilà, j'espère que vous êtes chaud directement. 3, 2, 1. Et boum, ça y est, on a la championne qui est maxée. Regardez, je ne peux plus l'améliorer. Je ne peux plus l'améliorer. Hop, directement, la championne niveau 25. Elle est maxée, elle est gemmée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon élixir noir qui est ici. Hop, directement, je vais pouvoir récupérer tout mon élixir noir pour pouvoir aller maintenant farmer mon roi au niveau 71. Ça va coûter très cher, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Mais en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Clash of Clans, l'avancée de l'HDV13. Également mes autres comptes. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo, partager et me suivre sur les différents réseaux, Twitter, Instagram, Discord, Twitch. Tout lien sur la description. Sur ce, c'était JD. Moi, je vous dis bye tout le monde.